Fatshi Béton. Bientôt, le folklore du bétonisme va prendre fin et nous allons passer à l'étape de Fatshi Mouton, parce que tu es vraiment un mouton. Voilà la comédie que tu es allé jouer à Bruxelles. Tu succombes à une crise. Crise de la peur. La peur panique. Ta maman en fait un tas. Bien que nous sachions qu'elle soit vieille déjà, elle peut être toujours envoûtée par tout ce que vous avez comme fétiche pour garder le pouvoir. Mais ce fétiche, petit à petit, arrive au bout du tunnel. Yo pensa au canis vous allez président. Yo que nous proclamer que Banyarwanda bazali ba congolais. Mais cette question de Banyarwanda au Congo ne demande plus de débat parce que ça avait été tranché depuis longtemps par le parlement congolais de l'époque du comité central du MPR. Tout a été dit, le compatriote Honoré Nkbanda avait tout détaillé dans ses livres. Pourquoi voulez-vous être des révisionnistes? Vous, le soi-disant supporter pauvre de Félix Tshilombo. Vous passez votre temps à tenir un parlement debout. Bientôt, ça sera un parlement assis. Vous n'avez pas autre matière que mentir. Oh, Fatshi Asali Boye, grande diplomatie. Oh, les Américains, bientôt. Oh, Basiba Komi na Brazzaville, bientôt, Balingi Bakatissa. Oh, Kingakati Ekwei. Oh, Bakangi Kabila. Oh, désormais Kabila. Vous n'avez pas vraiment honte de mentir? Il vous donne quoi? Il va vous donner quoi? Il vous donnera quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît rien, il n'a pas été préparé. Il se base sur sa taille. Comme au Congo, tout le monde est presque grand de taille. Naza maître, il est aussi maître de la politique. Il croit qu'il est maître de la politique. Avec sa tête de citrouille, il croit vraiment qu'il connaît la politique. Il croit que la malignité, la ruse qu'il a de voler l'argent des banques, il pouvait faire autant au Congo. Eh bien, nous les Kivusiens, nous les gens de l'Est, je ne suis pas séparatiste, nous te promettons, toi Tshisekedi, Okomona, yo na batona yo. Biloko bolukaka, boko zwa yango. Vous voulez scinder le Congo, c'est une utopie. Hein? Azarias Rubera, tane mounokono ezalaka boy. A ton âge là, tu es comme ça. C'est pas différent d'un canard. Hein? Regarde comment tu es vilain. Tu voudrais t'accaparer des terres des Congolais. Toutes ces tribus là-bas, tu crois que nous allons te laisser? Nous allons te manger. Et nous allons prendre nos responsabilités à main parce que nous savons qu'il n'y a pas un gouvernement et il n'en a jamais eu depuis que Laurent Kabila est mort. Ne joue pas la comédie, monsieur. Tu vas voir ce que nous allons te faire. Toi et tes complices. Tokobomayo na ba soi-disant supporters nayo qui ont des chemises vieillies, délavées comme si elles ont été mangées par des herbivores. Une bande de flatteurs, de voleurs et de traîtres. Tu remplis ton cabinet avec les gens de ta tribu. Et tu crois que les Congos ne s'arrêtent qu'à ta tribu. Espèce de voleurs et de menteurs. Fatshi Mouton. C'est votre compatriote, Djemadari Vibikilkilele.